Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de me recevoir chez vous. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+ et OM5TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. François Fillon remporte le premier tour des primaires de la droite et du centre. Dans les Outre-mer, Alain Juppé arrive en tête, tandis que Nicolas Sarkozy, qui a annoncé son retrait de la vie politique, obtiendrait le plus de votes de voix dans ces territoires. La 13e semaine école-entreprise, organisée par le MEDEF Martinique, débute ce lundi 21 novembre. Jusqu'au 25 novembre prochain, la collectivité territoriale de Martinique organise un programme de visite découverte dans le cadre du cinquantenaire de la bibliothèque de Prêt. L'événement est ouvert au public. Enfin, le plan de licenciement social destiné aux 130 salariés de l'AFPA a été rejeté par la DIECT. De nouvelles discussions devront avoir lieu avec la CTM. Environ 4 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes le week-end dernier pour voter et au lendemain du scrutin, les analyses vont bon train. C'est finalement François Fillon qui est arrivé largement en tête au premier tour de la primaire à droite avec environ 44% des voix selon les résultats partiels devant Alain Juppé et Nicolas Sarkozy qui a annoncé son retrait de la vie politique. Il est intéressant de noter que c'est Alain Juppé qui est arrivé en tête dans la plupart des départements d'outre-mer, alors que Nicolas Sarkozy obtiendrait dans ses territoires le plus de voix, plus de 22 800 votes contre 18 800 pour Alain Juppé et plus de 9 700 pour François Fillon, toujours selon les résultats partiels. KMT était présent lors des votes. Un extrait en images. Ce lundi après-midi, la FTPE, la Fédération des très petites entreprises de Martinique, réunissait ses adhérents et les organismes bancaires présents sur notre île dans un vaste colloque qui se déroulait au Palais des Congrès de Madiana. Il y était notamment question des difficultés d'accès au financement que connaissent les quelques 33 000 TPE martiniquaises. Et puis c'est aujourd'hui, lundi 21 novembre, que débute la 13e semaine école-entreprise organisée par le MEDEF Martinique afin d'encourager le contact entre les élèves de notre académie et le monde de l'entreprise. Pour cette édition, le thème de la réflexion est le suivant. Nos entreprises sont-elles connectées ? Nous y reviendrons. Depuis le 7 novembre dernier et jusqu'au 25 novembre prochain, la collectivité territoriale de Martinique organise, dans le cadre du cinquantenaire de la bibliothèque de Prêt, un programme de visite découverte ouvert aux élus, aux professionnels des bibliothèques et au grand public. Vous pouvez donc, pendant une semaine encore, vous rendre au morne Tartançon, c'est là que se trouve cette bibliothèque regorgeant de richesses, pour visiter les espaces de travail, découvrir le bibliobus, assister à des projections de films documentaires, ou encore profiter de l'exposition « L'histoire des Afro-Antillais en France ». Le jeudi 10 novembre dernier, particulièrement, nous avions été conviés à une rencontre autour de ce cinquantenaire de la bibliothèque de Prêt, ou BDP, pour échanger et réfléchir aux missions et à l'évolution de la précieuse structure. Rappelons que la BDP existe depuis l'arrêté du 7 janvier 1966 du ministère de l'Éducation nationale, qui avait à l'époque permis la création de trois bibliothèques centrales dans les Hautes-Pyrénées,
la Manche et en Martinique. L'objectif, proposer un service de lecture publique pour développer une culture du livre en perte de vitesse face à l'explosion du numérique notamment. La BDP offre ainsi la possibilité d'emprunter gratuitement des livres, mais aussi de la musique, des films, de mettre en place des actions comme par exemple des conférences-débats, des festivals et autres salons. Quant aux bibliobus, ils permettent aux livres de sillonner l'ensemble de notre territoire et donc de toucher le plus large public possible. Marie-Hélène Léotin, conseillère exécutive en charge de la culture et du patrimoine à la collectivité territoriale de Martinique, nous a expliqué que la bibliothèque de Près reste encore méconnue du grand public. En réalité, elle est en relation avec toutes les autres bibliothèques de l'île, les écoles, mais aussi les associations, et a eu, selon elle, le mérite de porter la lecture dans les coins les plus reculés de Martinique, ces lieux où les familles modestes ont longtemps considéré le livre comme un luxe. Sa création a donc permis une démocratisation de la lecture, un recul significatif de l'illettrisme, un accès à la connaissance, à la formation intellectuelle, à la capacité de choisir, tant au niveau individuel que collectif. La direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, la DIECT, a rejeté le plan de licenciement social concernant les 130 salariés de l'AFPA, en raison de l'absence de perspectives de reclassement ou de réorientation prévues pour le personnel. De nouvelles discussions devront donc avoir lieu avec la CTM, ce qui pourrait retarder la cessation d'activité initialement programmée pour le mois de décembre de cette année. Nous vous en avions parlé dans l'une de nos précédentes éditions. L'Université des maires et présidents des communautés d'agglomération de Martinique qui a lieu chaque année, s'est tenue les 14 et 15 novembre dernier à l'hôtel Carayou aux Trois-Îlets. Maurice Bonté, maire d'Ajoupa-Bouillon et président de l'Association des maires de Martinique, a expliqué qu'il s'agissait pour les élus de se rassembler comme chaque année en séminaire organisé sur 2 jours pour échanger sur les problématiques auxquelles les élus sont le plus souvent confrontés. Leurs préoccupations les plus importantes sont ainsi exposées à des experts et le grand public lui-même peut interroger les élus sur le fonctionnement des communes et des intercommunalités notamment, étant entendu que l'intercommunalité désigne un regroupement de communes qui s'efforcent de mutualiser leurs moyens pour être plus efficaces. Au cours de ces 2 jours de séminaire, il a ainsi été question des finances communales avec une présentation des finances de nos communes mais aussi des nouveautés de la loi NOTRe, par exemple. Ont également été évoqués le développement harmonieux de nos communes et l'indivision qui touche de nombreux biens chez nous quand les propriétaires d'un même bien n'arrivent pas à s'entendre pour accepter un partage et une vente de ce bien. Très attendu durant ces dernières années, le nouveau bureau de poste de la commune du Morne-Vert vient d'être inauguré. Dans le même édifice, le public aura également accès à d'autres services publics tels que la CAF ou Pôle emploi. Un progrès donc pour les usagers qui pourront ainsi réaliser leurs démarches administratives en un seul lieu. Les parents de l'école mixte A de Basse-Pointe se mobilisent suite au comportement violent d'un écolier de 8 ans à l'égard de ses camarades. Ils dénoncent les conditions de scolarisation des enfants. Selon eux, c'est la mauvaise prise en charge de cet élève qu'ils considèrent handicapé qui est en cause. Jugeant insatisfaisant le retour de l'inspectrice à ce sujet, ils ont adressé une lettre ouverte à la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. Début novembre, l'Académie de Martinique organisait la journée nationale « Non au harcèlement ». L'occasion pour le collège Vincent Placoli de Chelcher d'organiser une journée porte ouverte. Fait de violences répétées, verbales, physiques ou psychologiques, le harcèlement souvent banalisé a pourtant des conséquences graves pour les victimes et les auteurs. Absentéisme, décrochage scolaire, sentiment de mal-être, dépression et conduite suicidaire. Le harcèlement entre élèves était jusqu'à récemment un sujet tabou.
mais il a fait son entrée dans les programmes scolaires. C'est désormais un des thèmes pouvant être abordé dans le cadre de l'éducation morale et civique en cycle 2 et 3. La prévention est en effet indispensable dès le plus jeune âge, car le harcèlement débute au primaire. Au sein de l'Académie de la Martinique, deux référents harcèlement développent la politique ministérielle articulée autour de quatre axes: sensibiliser, prévenir, former et prendre en charge. C'est donc dans le cadre de la journée nationale non au harcèlement qu'a été organisée une journée porte ouverte au collège Vincent Placoli le 4 novembre dernier. Elle a marqué l'engagement du collège dans le plan de lutte contre le harcèlement. Il y avait notamment une exposition faite d'œuvres des collégiens autour de ce sujet. D'autres actions de lutte contre le harcèlement ponctueront l'année scolaire du collège. Notez qu'en Martinique, le harcèlement touche environ 10% des élèves de classes élémentaires et collèges. Il se manifeste surtout par des insultes, des moqueries sur l'aspect physique, principalement. Trois éléments sont constitutifs du harcèlement: la violence, qui peut être verbale, physique, morale et comportementale, la répétitivité de l'acte sur une longue période et l'isolement. La victime subit un acte de domination. Elle est bien souvent dans l'incapacité de se défendre et surtout, elle n'ose pas parler de ses difficultés par peur qu'on la brutalise davantage. En 2015-2016, 33 situations de harcèlement ont été détectées dans notre académie. Deux numéros de téléphone sont disponibles pour signaler une situation de harcèlement et permettre une prise en charge individuelle rapide. Le numéro vert national 30 20 et le numéro vert académique 0 800 859 797. 0 800 859 797. C'est une constante chez les syndicats martiniquais. Lorsqu'ils partent en grève pour obtenir une augmentation de salaire, ils placent la barre très haut pour tenter d'obtenir, au cours de la négociation, la plus forte augmentation possible. Et c'est sans doute pour cela que les salariés du casino Batelière ne demandent pas moins que 130 euros net mensuels d'augmentation. Cette somme peut évidemment paraître élevée. Notons que les grévistes avaient disposé un barrage tout autour de ronds-points sur la route nationale qui dessert le Nord, de telle façon qu'ils avaient littéralement pris en otage toute la population du Nord Caraïbe de la Martinique, immobilisée dans un embouteillage monstre. Mais cette fois, nous disons cette fois, car ce n'est pas souvent le cas, la gendarmerie est intervenue immédiatement pour démanteler ce barrage. Une opération qui s'est terminée sans heurts. Notons que les grévistes du casino Batelière ont entrepris de bloquer l'accès au casino des Trois Îlets détenu par le même propriétaire. Toujours à propos de grève, celle menée par les employés de la ville du Lamantin affiliés à la CGTM-SOEM s'est terminée sans d'autre heurts que le coup de tété dont s'est plaint le secrétaire général du syndicat, Daniel Gromat. Il est vrai qu'il n'a pas pu faire constater par un médecin les contusions convoquées par ce coup de tété. Les grévistes affirment avoir obtenu satisfaction à toutes leurs demandes. Madinina Logistique n'assure plus la distribution des produits Nestlé sur le marché local. C'est la société Logidom qui en a la charge désormais. Mais les 7 salariés de Madinina Logistique ne l'entendent pas de cette oreille. Ils ont donc bloqué durant une semaine les camions transportant les produits. Suite à une plainte de Nestlé, ils ont été convoqués ce lundi après-midi devant les tribunaux. Améliorer la coopération internationale de lutte contre le trafic de stupéfiants, c'est l'objectif du séminaire qui se tient ce lundi et demain mardi à Fort-de-France. Au cours de ces 2 jours, les spécialistes de la justice, les représentants de la police et de la gendarmerie nationale dresseront un état des lieux de l'entraide pénale existante et définiront des pistes d'amélioration.
Début novembre, l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, organisait une conférence de presse visant à présenter le compte-rendu d'une étude intitulée « Le handicap en Martinique, une question d'âge et un entourage présent ». Cette étude a été réalisée en partenariat avec la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale. Christophe Basso, chef du service territorial de l'INSEE en Martinique, a expliqué qu'il s'agissait à travers cette étude de mettre en lumière les quelque 73 000 personnes qui sont en situation de handicap chez nous. Elles représentent tout de même 18% de la population martiniquaise, sachant que 50% des personnes âgées de plus de 75 ans sont concernées. L'étude a révélé que, de manière générale, l'environnement familial est heureusement très présent pour accompagner toutes ces personnes en situation de handicap, qu'elles souffrent par exemple d'une perte de l'audition, de la vue, de difficultés à se mouvoir, à s'habiller, à s'alimenter seules. 42% des personnes handicapées sont ainsi aidées par leurs proches. Monsieur Basso a également expliqué que cette étude sur le handicap est destinée aux décideurs économiques qui doivent, forts de ces chiffres, mettre en place des politiques spécifiques, tant en termes d'aménagement du territoire que d'aide au logement notamment, pour permettre aux personnes handicapées de vivre le mieux possible en tenant compte de leurs difficultés. Il a rappelé que nul n'est à l'abri, que notre population est vieillissante et qu'il faudra donc se montrer attentif, réactif et de plus en plus composé avec les besoins des personnes âgées en situation de handicap. Il y a très exactement une semaine, vendredi 11 novembre. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.